Bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting pour Murphy. Alors, est-ce que vous pouvez bien me préciser si vous m'entendez bien? Vous avez l'onglet chat à gauche pour discuter entre vous et discuter avec nous. Est-ce que tout le monde entend bien? Tout le monde voit bien? Bonsoir, est-ce que vous entendez bien? Oui, ok, parfait. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Samuel. Bon, bah parfait. Alors si tout le monde entend bien, si tout le monde voit bien, on peut commencer. Alors du coup aujourd'hui on a un live meeting. On a la chance d'inviter Guy Pézacou, cofondateur et président de Murphy. Donc ça va être un live meeting qui va être orienté changement climatique, économie circulaire et puis aussi lutte contre les déchets. Donc dans la thématique de l'économie circulaire. Alors pour ceux qui connaissent pas Livestorm, l'outil en fait permet de faire des visioconférences. Donc vous avez deux onglets, l'onglet chat où vous pouvez échanger entre vous et échanger avec nous, et puis ensuite l'onglet questions où on va vous inviter à poser toutes vos questions auxquelles Guy et moi-même on va répondre en fin de live meeting. Voilà. Du coup, dans un premier temps, je vais présenter Lita pour les personnes qui connaissent pas Lita. Ensuite, je vais laisser la parole à Guy, qui va présenter Murphy du coup. Et puis ensuite, on va passer à la partie questions-réponses, où voilà, vous allez pouvoir monter sur scène, poser vos questions directement à Guy, qui va y répondre. Alors, Lita, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme d'investissement participatif. En fait, on permet à des citoyens d'investir directement dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères d'impact social, impact écologique, et puis aussi impact sociétal. Donc en fait, ça vous permet de soutenir des entreprises qui ont du sens, tout en ayant des retours financiers derrière. Voilà, Lita, depuis la création en 2015, c'est plus de 40 millions d'euros collectés, plus de 120 entreprises financées en Italie, en France et en Belgique, puisqu'on est une plateforme européenne. Voilà. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Guy, qui va pouvoir tous vous présenter Murphy, l'entreprise, qui est en levée de fonds chez Lita pour la deuxième fois. C'est à toi, Guy. Bonsoir à tous, merci Xavier pour l'introduction. Je vais essayer d'être assez bref sur Murphy pour pouvoir vous laisser le temps de poser toutes les questions que vous voudriez. Donc Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménager que nous avons créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans à 5 fondateurs. Donc, on a tous fait des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce et on avait la conviction que aujourd'hui, si la quasi-totalité des consommateurs, quand ils rencontrent une panne d'électroménager, préfèrent acheter un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde plutôt que de faire appel à un technicien qui habite près de chez eux, c'est parce que on n'a pas investi suffisamment d'argent et d'énergie pour essayer de créer des modèles opérationnels plus efficaces de réparation à domicile. Donc notre mission, c'est de réduire la quantité de déchets électroménagers qu'on produit chaque année en proposant aux consommateurs qui rencontrent des pannes des solutions de réparation à domicile ou de la vente de produits reconditionnés. Donc on a une offre en 3 temps. La première, on met à disposition des tutoriels gratuits pour aider les gens qui rencontrent des pannes à résoudre leurs problèmes tout seuls. On pense que c'est important en fait, l'ensemble de nos clients comprennent leurs produits, comprennent exactement ce que va faire le technicien quand il va intervenir chez eux. Pour que finalement ils aient l'impression que la réparation, c'est pas un truc un peu boîte noire où on comprend pas très bien ce que le technicien va faire et qu'on passe à un modèle beaucoup plus clair et plus simple, tellement transparent que si les clients ont envie de faire tout seul, ils peuvent. Ensuite, notre deuxième offre, c'est qu'on a des techniciens qui sont des salariés de l'entreprise, tous salariés en CDI. Donc ça, c'est assez important pour nous en termes de qualité, de conviction sur le service qu'on apporte et aussi finalement la valeur qu'on crée aussi pour l'ensemble de nos salariés. Donc on a un forfait d'intervention de 75 euros qui comprend tous les déplacements et la main-d'œuvre jusqu'à la réparation de l'appareil. Ça veut dire que si le technicien il vient 2 fois, il reste 3 heures, bah c'est 75 euros. Le seul truc qui n'est pas compris dans le forfait, c'est le prix des pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. Donc là, quand on va avoir besoin d'une pièce, il faut savoir que ça représente qu'un cas sur deux. Sur nos réparations. Quand on va avoir besoin d'une pièce, on va faire un devis que le client peut accepter ou refuser. Et s'il refuse le devis parce que les délais sont trop longs, le prix de la pièce détachée est trop cher ou n'importe quoi, alors on lui rembourse les 75 euros en bon d'achat pour qu'il puisse acheter un produit reconditionné sur notre site e-commerce.
Donc, on en arrive à la troisième offre. On a des ateliers de reconditionnement où on collecte de l'électroménager usagé qui est initialement allait être envoyé au recyclage. Et on va le récupérer dans nos ateliers pour les réparer, changer toutes les pièces détachées susceptibles de tomber en panne pour les remettre en circulation avec des garanties. Donc, trois offres. La première, les clients y font tout seuls. La deuxième, on a un forfait d'intervention de 75 euros. Et la troisième, on vend des produits reconditionnés. Toute la spécificité finalement de notre modèle, c'est que on a des techniciens qui sont des salariés en CDI. Du coup, ça nécessite d'être capable de les occuper tout le temps. Parce que sinon, dès qu'ils ont des trous dans leur agenda, on détruit un peu de la valeur. Et le fait de faire de la réparation à domicile et du reconditionnement en atelier, ça nous permet d'avoir de la flexibilité, puisque nos techniciens, soit ils sont sur la route, soit ils sont en atelier, entre guillemets, étant donné qu'on sait qu'on a plein de machines à réparer en atelier, on peut dormir tranquille parce qu'on sait que tout le monde a du travail demain. Donc ça nous donne la même flexibilité que ce qu'on aurait si on avait été une plateforme de mise en relation, tout en ayant la valeur sociale qui est créée et aussi en ayant une organisation très stable, plus que des techniciens bien engagés dans l'entreprise qui font partie de la boîte. Aujourd'hui, Murphy, c'est quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, on est à peu près 20% de croissance par mois. On a eu la chance de pas trop souffrir des confinements, puisqu'on répond à un besoin qui est essentiel de la vie de tous les jours, c'est celui d'utiliser son électroménager. Au contraire d'ailleurs, en fait, on a montré que la réparation à domicile, c'était quand même plus robuste de la logistique internationale avec de la production en Asie et de la distribution dans les magasins, et etc. Donc, ça a été assez compliqué finalement pour tout l'écosystème et sans doute une opportunité pour la réparation, avec aussi une grosse transformation des manières de consommer et d'utiliser nos produits. Donc, on voit de plus en plus de clients se tourner vers la réparation, et c'est tant mieux. Et donc, ce qu'on veut, c'est finalement essayer d'apporter des solutions concrètes aux gens qui rencontrent des pannes d'électroménager. Je pense que vous l'aurez compris, toute la complexité de notre modèle, c'est finalement avoir des bons techniciens, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on souffre de... On a trop de demandes de réparation et on n'a pas assez de réparateurs. Donc, c'est pour ça qu'à partir du mois de janvier, on va ouvrir notre Murphy Academy pour former nos techniciens en interne. Donc, en 2021, c'est plus de 100 techniciens qui seront formés par Murphy. Et donc, on crée de l'emploi local, non délocalisable, à forte valeur ajoutée, puisque finalement, ce sont des experts. Aujourd'hui, on a fait notre deuxième levée de fonds au mois de septembre de 8 millions d'euros. Donc, en comptant tout ce qu'on a pu obtenir en equity plus en dette. Et en fait, c'était important pour nous, de la même manière qu'on l'a fait l'année dernière, de donner l'opportunité à des investisseurs privés, particuliers en tout cas, de contribuer à l'aventure et de nous aider finalement dans cette mission qui est la réduction des déchets électroménagers et la recréation d'emplois locaux. J'ai terminé pour la présentation de Murphy. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Super, merci beaucoup Guy. Alors, du coup, avant de passer à la partie questions, d'ailleurs, je vous invite à poser vos questions si vous avez des questions par rapport à la levée de fonds, par rapport à la stratégie de Murphy. Alors, avant de passer à la partie questions, je vais rappeler les conditions de l'investissement. Donc, aujourd'hui, on est sur une levée de fonds en obligation. C'est une obligation qui est rémunérée avec un taux d'intérêt à 5% sur 3 ans, avec un remboursement in fine. Donc, si vous investissez par exemple 1000 euros, vous allez percevoir chaque année, pendant 3 ans, 50 euros d'intérêt brut, donc au total 150 euros d'intérêt brut. Voilà, c'est une levée de fonds qui va clôturer au 31 décembre, donc dans une dizaine de jours. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé l'objectif minimum de 300 000 euros, puisqu'on est à près de 650 000 euros collectés. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la partie questions. Alors, je vois que la première question était la question de Eric Jourdain, si je dis pas de bêtises. Voilà, Eric, je vais vous inviter à monter sur scène. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, si vous souhaitez, ça peut vous permettre de poser directement votre question à Guy. Alors, j'invite Eric qui arrive.
Voilà. À tous les autres participants, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment des échanges privilégiés avec l'entrepreneur. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'équipe, sur les perspectives de Murphy, sur la vision humaine de Murphy ou la vision écologique, c'est le moment de poser toutes vos questions. Alors, Éric Jourdain, je crois qu'il ne... Ok, bon bah. Alors, je vais poser directement la question d'Éric. Alors, en fait, Éric aimerait savoir quelle est la différence de Murphy avec les autres offres de la concurrence, puis aussi connaître un peu la difficulté de recherche de techniciens que rencontre aujourd'hui Murphy. Oui, il y a deux grands acteurs dans l'écosystème. On a d'un côté les réparateurs indépendants, qui en fait forment le gros volume de techniciens. Malheureusement, ces acteurs sont rencontrent pas mal de difficultés aujourd'hui dans leur métier parce que on a des statistiques un peu assez concrètes. C'est entre 2002 et 2017, le prix moyen de l'électroménager il a diminué de 17%. Et dans le même temps, si on prend le SMIC comme salaire de référence, il a augmenté de 40% depuis 2002. Donc en fait, ça veut dire que la valeur pour un réparateur, si on l'évalue en fonction de la valeur des produits neufs qu'il répare et qu'on la rapporte à son salaire. Étant donné que son salaire a augmenté, que la valeur des produits neufs a diminué, il faut qu'il répare 70% d'appareils en plus pour créer la même valeur économique. Et ça, en fait, pour un indépendant, c'est impossible. L'opportunité qu'on rencontre, c'est un métier qui est très administratif, où il y a beaucoup de paperasse, parce qu'il faut prendre rendez-vous, organiser les tournées, faire des devis pour les pièces, les accepter, commander les pièces, les faire livrer, organiser des rendez-vous, donc toutes ces parties très administratives, nous on l'automatise grâce à des outils qu'on a développés en interne. Et ensuite, en utilisant notre système de réparation en atelier et d'intervention à domicile, on arrive à optimiser comme ça le temps utile de notre équipe, qui nous permet d'être globalement un peu plus efficace que les réparateurs indépendants. Et après, d'un autre côté, on a les grosses boîtes, les gros réseaux, qui sont, en fait, 100% de ces réseaux-là sont affiliés à des fabricants ou à des distributeurs. Il n'y en a aucun qui est spécialisé sur la réparation hors garantie, c'est-à-dire avec toutes les problématiques que ça soulève, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si une pièce détachée coûte trop cher, qu'est-ce qui se passe si les délais d'approvisionnement sont trop longs, comment est-ce qu'on fait pour intervenir rapidement parce que quand vous êtes sous garantie, vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes hors garantie, c'est plus compliqué. En fait, toutes ces choses-là nous ont permis d'avoir une offre de réparation un petit peu différente de ce que peuvent proposer les acteurs du marché qui sont en général spécialisés sur le sous garantie. Parfait. Merci Guy. Alors, j'espère que Eric, vous êtes satisfait de la réponse. Sinon, n'hésitez pas à poser une autre question ou à échanger avec nous sur le chat. On répondra à vos sollicitations. Alors, du coup, on a une autre question d'Alexandra Ruel. Alors, Alexandra qui pose une question sur. Alors, je vais voir si Alexandra. Alexandra se prépare, donc elle va poser la question directement. Voilà. Alors, Alexandra, je crois que vous vous préparez. Là. Bonjour. Bonjour, Alexandra. Vous m'entendez ? Oui, on entend très bien, ouais. Ok. Oui, alors ma question, ça portait sur le... comment est-ce que vous comptez développer la réputation de la société auprès du grand public ? Et je parle notamment avec mon cas très particulier. J'ai découvert la société grâce à l'ITA et j'ai vraiment adhéré sur le projet, le concept, vraiment tout. Et je me suis retrouvée 10 jours plus tard, on va dire, avec mes locataires dans l'appartement dont je suis propriétaire qui ont une panne de la vaisselle. Et je me suis dit, super, je vais tester Murphy. Et j'étais un petit peu surprise en arrivant sur le site quand on me demande de payer les 75€ en amont sans avoir jamais vu... Donc, en ayant participé à la levée de fonds, en ayant lu votre dossier sur l'État, j'avais confiance et je l'ai fait. Mais je me suis dit que si je n'avais pas été dans ce cas-là, je pense que j'aurais pas cliqué, j'aurais pas été jusqu'au bout. Et donc, est-ce qu'il y a des projets de communication pour vraiment vous asseoir une réputation et faire en sorte que les gens cliquent sans état d'âme, quoi.
Ouais, c'est une très bonne question, merci. En fait, jusqu'à présent, Murphy, c'était le plus gros acteur indépendant de France. Quoi. On était personne nous connaissait et donc on a été. En fait, on a beaucoup travaillé sur notre organisation interne, sur les fondamentaux de notre service client, comment est-ce qu'on gère nos opérations. Donc, ça nous a pris pas mal de temps. Et en fait, le fait qu'on soit passé en prépaiement obligatoire, ça date d'il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Je suis tombée juste à ce moment-là. Ouais. Ouais, avant, on pouvait prendre rendez-vous et puis le technicien arrivait. En fait, ça, c'était devenu très, très compliqué parce que gérer 500 000 euros de chiffre d'affaires en petite coupure de 75 euros, c'est genre juste un enfer complet. Et pour des questions un peu de scalabilité de notre modèle, on a été contraint de passer en prépaiement parce que ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur tout ce qu'on fait, d'éviter les clients qui prennent rendez-vous et qui sont pas chez eux. Donc aujourd'hui, on a, ça nous a permis d'assainir notre modèle. Après, par contre, le point que vous soulevez, il est parfaitement vrai, c'est celui de la confiance. Donc maintenant, il faut qu'on passe de plus gros acteurs indépendants à l'acteur de référence de notre marché. Et pour ça, on est en train de refaire un gros rebranding avec la sortie d'un nouveau site internet autour du 15 janvier, sur lequel, en fait, on va prendre parole sur des éléments un peu plus inspirationnels, ne pas parler uniquement de prix, d'efficacité, mais avoir un peu plus de vision long terme, sur laquelle, en fait, ça va nous permettre un peu de construire les bases de notre discours et de notre prise de parole publique pour derrière faire une communication beaucoup plus large autour du printemps-été 2021. Donc, on a prévu sur notre budget l'année prochaine 1,5 million d'euros dédiés à de la communication justement à très, très grande échelle pour devenir l'acteur de référence, simplement. OK. Mais avant d'investir autant d'argent, il faut que les fondamentaux soient bien, quoi. Bien sûr, oui. OK, non, mais ça répond bien à la question. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra, pour votre question. Merci, Guy, pour la réponse. Alors, du coup, on a une autre question. Je vais inviter Jean-François Desplat à venir la poser sur scène. Je vois que c'est une question qui est pas mal revenue dans l'onglet questions. C'est par rapport à la levée de fonds et ce à quoi ça va servir. Alors, du coup, Jean-François, si vous souhaitez, vous pouvez venir. Alors, j'ai pas de retour. Bon, alors, je vais poser la question directement. C'est une question de Jean-François Desplat qui recouvre un peu une question de Paul Pexard. Alors, à quoi est destinée cette nouvelle levée de fonds de aujourd'hui 650 000 euros et bientôt 1 million d'euros quand on aura clôturé la campagne. Paul demande aussi, mis à part le fait de pouvoir intégrer des particuliers à l'aventure de Murphy, pourquoi faire une levée de fonds en obligation, sachant que une levée de fonds en action vient d'être réalisée auprès de fonds d'investissement à impact. Alors, en fait, faut savoir que cette levée de fonds, pour nous, c'est un peu une étape, une première étape, puisqu'elle doit nous permettre de bien développer notre modèle à l'échelle française, puisque notre but, c'est de faire 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 sur le modèle qu'on vous a décrit. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'argent. À peu près un tiers de cet argent va servir au développement d'outils informatiques et la structuration de nos process opérationnels. Et la moitié va servir à financer des ouvertures d'ateliers régionaux et de la croissance globalement, donc plan de notoriété dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi développement de notre académie de formation. Et ensuite, on se garde un petit peu d'argent pour, à partir du... donc là, on était censé commencer sur le premier trimestre 2021, mais compte tenu de la conjoncture et de la troisième vague, on a décidé de décoller ça plutôt après les vaccins, donc pour le printemps-été 2021. On va ouvrir dans 2 villes européennes. Donc, a priori, ce sera Barcelone et Bruxelles. Ce qui ensuite nous permettra de démontrer que notre modèle fonctionne donc, très bien en France, mais qu'il est aussi se développe bien à l'échelle internationale. Et à partir de là, on envisage une deuxième levée de fonds, cette fois-ci plutôt autour de 15-20 millions d'euros, pour financer un déploiement européen à plus grande échelle. Et donc cet argent vient nous servir en fait justement à ce développement international, puisque ça nous permet d'avoir un peu plus de fuel pour financer ces
ces proof of concept avant de pouvoir vraiment accélérer. Et je ne sais pas si j'ai répondu complètement à toutes les questions. Oui, ça répond bien à la question en tout cas de Jean-François et puis aussi de Paul. Alors, on peut faire le lien justement avec la question de Arnaud qui demande quel est le plan de développement géographique. Bon, là, on a déjà répondu à une partie de cette question, mais je ne sais pas si Arnaud, vous souhaitez avoir d'autres éléments. Du coup, je vais vous inviter et si jamais vous souhaitez plus de précision par rapport à la conquête de l'Europe de Murphy, ben voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions pour qu'on en apprenne plus. Alors, du coup, Arnaud se prépare, il devrait pas tarder à arriver. Bonjour, ma question était plus donc sur la France. Bonsoir. Bonsoir. Était sur la France, mais aussi sur l'Europe au-delà des deux villes que vous avez mentionnées. Quelle est la zone géographique que vous envisagez à terme de couvrir ? Alors aujourd'hui, Murphy, on est présent dans les 10 plus grandes villes françaises, donc Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nice. Marseille, Montpellier, Toulouse, enfin, Bordeaux, Nantes, bientôt Rennes. Et présent, ça veut dire qu'on a des techniciens sur place. Et aujourd'hui, on a des ateliers de reconditionnement à Paris, Lille, Lyon. Et on est en train de préparer l'ouverture d'autres ateliers régionaux, notamment à Nantes et à Nantes, Bordeaux, Strasbourg sur le premier trimestre entre le mois de janvier et avril. Et on va poursuivre comme ça sur globalement le but c'est que fin 2021 on ait ouvert des ateliers dans toutes les villes dans toutes les grandes villes de France. Ensuite, quand on arrive dans une ville, en fait, on rayonne autour, ça veut dire quand on est à Lyon, on va aller aujourd'hui on va à peu près 30 minutes autour de Lyon et puis progressivement, on va pouvoir aller en fait, plus on a de techniciens, plus on va de plus en plus loin jusqu'à intégrer sur la zone des villes comme Grenoble ou Clermont-Ferrand. Et notre objectif, c'est que fin 2021, on couvre 75% des ménages français, sachant qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50% des ménages français. Et donc, comme je disais, les deux villes POC pour nous de développement international, donc Barcelone et Bruxelles, ce sera pour printemps-été en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et si ces développements se passent bien et que en fait, on est vraiment confiant sur notre capacité à gérer des bonhommes dans les autres pays. D'ici la fin 2021, on devrait refaire une nouvelle levée de fonds pour cette fois-ci financer un déploiement. Le but, c'est que toutes ces levées de fonds successives ne financent pas, en fait, ne financent plus la France parce que normalement, on aura atteint notre rythme de croisière où on arrivera à se développer. Par contre, si jamais on veut vraiment passer à l'échelle européenne, à ce moment-là, on va avoir besoin de plus d'investissements. Et pour le moment, surtout vos établissements, vous le faites avec des établissements propres et des ressources propres. Oui, 100% des techniciens sont des salariés Murphy et on a nos propres ateliers de reconditionnement, effectivement. Et vous n'avez pas envisagé de faire du crowdsourcing ? Vous voulez dire un modèle marketplace, par exemple ? Sur oui. Reconditionner ou la réparation ? Non, je pensais plus en termes de ressources. Ah, faire appel à des ressources sur une zone géographique, sur la base de vos besoins et des demandes. Alors, on l'a déjà fait ponctuellement et on a un ou deux acteurs qui peuvent nous aider ponctuellement quand on est en grande difficulté. Par contre, on ne croit pas au fait que ça nous permette de construire une entreprise stable dans le temps et avec une bonne qualité de service. En fait, on est sur un marché où on est présumé arnaqueur avant d'avoir démontré l'inverse. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive à inspirer confiance et à apporter à nos clients tous les petits éléments qui font qu'ils vont se dire « je vais préférer… » réparer avec Murphy qu'acheter un nouveau produit chez Darty ou Boulanger. Et ça, ça nécessite beaucoup de confiance et d'engagement de notre part et on le fait à travers nos techniciens qui sont des salariés. Et après, c'est aussi quelque chose d'assez stratégique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il n'y a pas assez de réparateurs, il y a trop de demandes de réparation. Et donc, on va former nos propres techniciens. Donc, de la même manière qu'un contrat à durée indéterminée, c'est
engageant pour l'entreprise parce que faut proposer du travail tout le temps, en toutes circonstances, bah, c'est aussi engageant vis-à-vis du salarié qui, du coup, a un confort et ne va pas partir chez le plus offrant du jour au lendemain, quoi. Merci et bravo. Merci beaucoup. Merci Arnaud pour votre question. Alors du coup, ça répond aussi à la question de François Rossin qui demandait si le Murphy était capable d'intervenir dans toute la France à domicile. Donc du coup, pour rappel, aujourd'hui c'est 50% des foyers et fin 2021, ça sera 75%. Alors avant de passer à la question suivante, j'aimerais rebondir sur le fait que tous les techniciens de Murphy sont en CDI. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que Murphy c'est un gros coup de cœur dans les équipes de l'ITA. C'est parce que finalement, ça apporte de la sécurité à l'emploi, ça revalorise le métier de technicien et pour nous, ça allie du coup le côté humain qu'on apprécie beaucoup au côté impact écologique qu'on apprécie aussi énormément. Voilà. Alors, du coup, prochaine question de Paradigmatix concernant, on revient à la concurrence, du coup, à la première question. Je vais voir si Paradigmatix est disponible pour venir poser sa question sur scène. Alors, je ne crois pas. Bon, alors du coup, je vais poser la question directement. Paradigmatix demande de pose une question par rapport aux acteurs majeurs, notamment Darty, qui propose aussi des systèmes d'intervention. Et il aimerait savoir comment tu prépares leur venue sur ce marché de la réparation. Alors, c'est clair que tous les grands acteurs de l'écosystème, qui sont les fabricants et les distributeurs, ils ont bien compris que l'économie circulaire, ça ne sera pas une option. Ils ont déjà vécu... en fait des gros changements dans les modes de consommation avec l'arrivée du e-commerce qui a vraiment complètement bousculé la manière dont on achète nos produits, et en particulier l'électroménager, et donc ils savent que il faut pas, il y a pas d'issue possible, c'est le sens de l'histoire, aller vers plus de circularité dans la consommation et en particulier de nos électroménagers. Du coup, ils vont forcément, ils mènent des actions et nous, on trouve que c'est très positif parce que finalement, notre mission, c'est de résoudre le problème de la surconsommation à grande échelle. Le marché, il est juste gigantesque. Et à chaque fois qu'un acteur comme Darty va prendre la parole sur la réparation pour dire il faut réparer plus, etc., mais en fait, ça fait grossir le marché. Le marché, il est très significatif parce que si on prend que l'électroménager blanc, on parle d'un marché de plus de 2 milliards d'euros. Et donc forcément, y a largement la place pour un acteur comme Darty et pour un acteur comme Murphy. Donc nous, on les voit plutôt comme des aujourd'hui comme des confrères avec lesquels on travaille pour développer et faire grossir ce marché, sachant que eux, leur enjeu, c'est de se transformer en interne parce que forcément, c'est pas tout à fait le même métier, c'est un peu différent. Et nous, on part de zéro, donc on va aller plus vite. Et on est aussi là pour leur rappeler que s'ils ne font pas cette transformation, ça risque de très mal se passer pour eux. Donc, forcément le faire. Parfait. Merci, Guy. C'est vrai que quand on est une entreprise à mission, qu'on a une vision et que finalement, il y a une finalité, il y a un objectif qui est la réduction des déchets électroménagers, avoir plusieurs acteurs qui ont le même objectif, finalement, c'est bénéfique pour la réduction des déchets électroménagers. Alors, du coup, prochaine question, je vais inviter François à monter sur scène. François, j'ai vu que vous aviez une question par rapport à l'approvisionnement du matériel. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez poser votre question directement à Guy. Alors, François se prépare, il va pas tarder à arriver, a priori. Voilà. François, si vous souhaitez, je peux poser aussi directement votre question, c'est comme vous voulez. Alors, je ne crois pas avoir de retour de François. Écoute Guy, je vais te poser directement la question. Alors, François demande quelles sont les ressources d'approvisionnement de Murphy pour du matériel à remettre en état en vue de revente. Très bonne question. Alors,
Ouais, on a deux sources d'approvisionnement aujourd'hui. On achète des lots à des revendeurs. Donc, c'est en général des lots qui ont eu des problèmes, par exemple des plaques de cuisson qui ont été cassées pendant le transport. Donc, on reçoit un lot de 100 plaques vitres cassées. Donc, à ce moment-là, nous, on les teste. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres pièces qui ont été cassées. On change les vitres et on les remet en circulation. Donc ça, c'est un peu ce qui aujourd'hui représente globalement le gros du marché du reconditionnement. Aujourd'hui, c'est ça. Et on a une deuxième source d'approvisionnement qu'on a commencé à développer il y a quelques mois, mais qui représente aujourd'hui 80% des machines qu'on approvisionne. En fait, on va tout simplement chercher de l'électroménager chez les clients. Donc notre proposition de valeur, c'est deux livreurs qui viennent chez vous sur un créneau horaire de 2 heures. Pour vous débarrasser de votre électroménager, si vous en avez acheté un nouveau, si vous déménagez, si vous changez votre cuisine, si n'importe quoi. Notre promesse, c'est d'essayer de lui donner une seconde vie, ou alors on le réutilisera pour pièces. Et si vraiment il y a plus rien à faire, malheureusement, alors dans ce cas, il sera recyclé dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on collecte sur Paris-Lyon plus de 400 machines par semaine. Donc, pour qu'on ait un ordre d'idée, il se jette en Ile-de-France, 55 000 lave-linges par mois. Donc, tout ça, c'est juste des quantités phénoménales de machines qui, plutôt que d'aller directement au recyclage, aujourd'hui, pour une petite partie, passent dans nos ateliers pour être reconditionnées. Nickel, merci beaucoup. Alors, je pense que parallèlement à cette question sur le fait de se fournir en matériel reconditionné, on peut aussi parler de la distribution. Du coup, les appareils reconditionnés sont distribués sur le site Murphy.fr. Est-ce qu'il y a d'autres distributeurs pour les produits reconditionnés? Alors, pas à ce jour. En fait, en gros, l'activité de reconditionnement, on l'a lancée en janvier 2020. Du coup, on a eu, il y a une montée en puissance progressive qui s'est faite pendant l'année. Et jusqu'à maintenant, on a plutôt souffert d'un manque de capacité de production que de vente. Donc, on a tout gardé en interne pour nos clients issus de la réparation à domicile, donc chez qui les réparations n'ont pas fonctionné. Et donc, notre stratégie, là, avec l'ouverture des ateliers de Lille et de Lyon, on a un peu augmenté notre capacité de production, ce qui va encore s'accélérer dans les prochains mois, ce qui va nous permettre de commencer à travailler avec d'autres acteurs, même si tant qu'on arrive à vendre en direct, on n'a aucun intérêt à le faire. Ok, on va très bien. Merci Guy pour la réponse. Alors du coup, je vais passer à la question de Christophe. Christophe qui n'est plus connecté, donc je vais poser la question. Alors Christophe aimerait savoir quel est le délai moyen d'intervention suite à un appel. Et est-ce que Murphy, à l'avenir, pense trouver des techniciens spécialisés? Ouais, alors c'est une question... pas évidente parce que du coup, effectivement, il faut être capable de gérer l'offre et la demande pour proposer des interventions rapides, parce que si on propose des interventions en une semaine, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, la vie est un peu compliquée puisque entre les congés, les cas contacts, les absences maladie, enfin n'importe quoi, du coup, on a une variation de notre capacité de réparation. Et qu'on arrive un peu à gérer avec nos techniciens qui sont en atelier. En fait, ce sont les mêmes qui sont sur la route et en atelier. Et du coup, on arrive à maintenir des délais de réparation qui varient entre 24 heures quand tout va bien et ça peut aller jusqu'à 5-6 jours si jamais vraiment on a une période de crise où on n'a pas assez de techniciens. Et donc, en fait, notre... On a pas mal souffert récemment de difficultés pour recruter. Et grâce à notre académie, notre école de formation interne, on aura plus de problèmes et on y arrivera mieux à gérer notre capacité de réparation à long terme. C'est quand même un problème de Richard, d'avoir trop de techniciens, de pas avoir assez de techniciens. Merci Guy. Alors du coup, prochaine question de Jean-François Desplat. Alors Jean-François, je crois que j'avais pas réussi à vous inviter sur scène la dernière fois pour votre première question. À voir si on y arrive là. Une question par rapport aux levées de fonds précédentes de Murphy, les levées de fonds en action. Jean-François, si vous souhaitez monter sur scène, vous êtes le bienvenu. Sinon, je vais poser votre question. Alors Jean-François se prépare. Super. Nickel.
Alors, Olivier Robin précise 5-6 jours maximum, versus parfois 21-30 jours pour Darty. Pardon ? Olivier, ah oui. Ouais, voilà, précise dans le chat que Darty, ça peut être 21 à 30 jours parfois. Ouais. Bah, après, pour leur défense, parce qu'il faut. Enfin, après, chacun ses affaires, mais eux, ils gèrent beaucoup d'interventions sous garantie. Du coup, ils ont un peu une obligation d'intervention. Donc finalement, quand ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas assez de techniciens, ça s'accumule. Là où nous, comme on fait du hors garantie, si on n'a pas assez de, si on n'a pas de disponibilité, juste les gens, ils s'en vont quoi en fait. Donc il y a, c'est pas hyper comparable, même si je pense qu'ils ont, enfin il y a un travail à faire pour résoudre ça, j'imagine, de leur côté. Merci. Bon, alors, du coup, Jean-François, je vais poser votre question directement. Alors, Jean-François demande comment se compose le capital de l'entreprise après les levées de fonds en capital qu'il y a eu du coup l'année précédente et puis cette année aussi. Alors, suite aux deux levées de fonds successives, aujourd'hui, les fondateurs, on a 60% du capital. On a trois fonds d'investissement qui viennent compléter. Donc, c'est Investir et Plus, qui était le premier fonds à être entré chez nous, qui est un fonds d'impact qui investit dans des sociétés assez jeunes, et Alter Equity et Utopia, qui sont respectivement des fonds, un fonds d'impact, Alter Equity le leader sur les levées de fonds à peu près entre 2 et 15 millions d'euros, et Utopia qui est une référence sur les sociétés B2C qui ont des marques très fortes, comme ce qu'on essaie de faire. Et on a aussi un ensemble de business angels qui sont à notre capital et qui nous accompagnent sur, enfin, ce sont des entrepreneurs à succès qui nous accompagnent. Donc c'est comme ça qu'on retrouve à notre conseil d'administration Christian Georges, qui est l'un des fondateurs de Vestiaire Collectif, qui est en charge des opérations chez eux, et Jean-Bépi Fortis, qui est le patron d'une boîte qui s'appelle Solution 30, qui fait des interventions de techniciens à domicile pour de l'installation de fibres ou de compteurs Linky, qui a plus de 7000 techniciens dans 10 pays différents. Et donc, en fait, ils nous accompagnent au quotidien sur des problématiques ciblées qu'on pourrait rencontrer, comme la formation, la scalabilité de notre modèle opérationnel, notre modèle de management, enfin, tous ces sujets-là qui font le quotidien de l'entreprise. Super. Merci beaucoup Guy. Alors je rebondis justement puisqu'on a une question dans la même thématique par rapport au fonds d'investissement. Une question qui demande qui vous acceptez comme fonds d'investissement à vos côtés. Est-ce que Murphy a des critères particuliers par rapport au fonds d'investissement? Et puis aussi quelle grille avez-vous notamment sur le côté impact des fonds? Alors je suis pas sûr de comprendre cette deuxième partie de question, quelle grille tu as sur le côté impact des fonds. Mais voilà, je te laisse répondre si tu as des éléments. Ouais, on a eu deux critères de sélection de nos investisseurs jusqu'à aujourd'hui, et ça sera poursuivi à l'avenir. Le premier, c'est qu'il faut qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous en termes social et écologique. Donc ça veut dire qu'un acteur qui nous dirait non mais arrêtez, en fait pour améliorer notre marge, il suffit de mal payer les techniciens, de leur demander de travailler plus, enfin, des trucs comme ça, ça on c'est des gens avec lesquels on n'a pas envie de travailler, ou qui voudraient par exemple qu'on se transforme en un distributeur de produits neufs parce qu'on a un très bon réseau de réparateurs et il paraît que ça fonctionne bien de vendre des produits neufs quand on a des bons réparateurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on va éliminer. Et le deuxième élément important pour nous, c'est qu'ils partagent aussi notre ambition. Donc nous, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème de la surconsommation d'électroménager à grande échelle en recréant de l'emploi local qualifié et non délocalisable. Et ce qui est important là-dedans, c'est le à grande échelle. Donc, on veut aussi des investisseurs qui soient capables de nous accompagner dans le long terme avec de l'ambition et qui puissent nous suivre sur des levées de fonds ou des investissements successifs qui nous amèneraient à résoudre le problème à très grande échelle. Donc, pour qu'on ait juste peut-être en ordre de grandeur, si on prend l'Europe de l'Ouest, donc Danemark, Autriche, tout ce qui est à l'Ouest, c'est 140 millions de pannes annuelles sur l'électroménager blanc. C'est 25 millions de réparations aujourd'hui par à peu près 25 000 techniciens.
Et donc, si on voudrait avoir un réparateur qui intervient sur tous les produits qui tombent en panne, il faudrait former et embaucher 115 000 personnes dans les prochaines années. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, si on veut résoudre le problème de la surconsommation d'électroménager, il faut voir grand. Et donc, ce qui est important, c'est que nos investisseurs, ils adhèrent à cette ambition-là. Super, merci beaucoup Guy. Alors, du coup, j'invite Thomas Pénin à monter sur scène. Il a une question par rapport aux relations de Murphy avec des partenaires externes. Alors, je vais voir si Thomas souhaite venir poser la question en direct. Alors, j'ai pas l'impression. Alors, je vais poser la question directement. Alors, Thomas, en fait, demande quelles sont les relations de Murphy avec des organismes publics comme Écosystème ou l'ADEME. Alors, Écosystème, c'est pas vraiment un organisme public. C'est un éco-organisme en charge de la collecte et de la gestion des déchets électroménagers. Donc, c'est une entreprise à but non lucratif, certes, mais une entreprise quand même. Et donc effectivement, ils sont mandatés par contre par le gouvernement pour gérer les déchets, collecter l'éco-participation. Donc quand on achète un produit neuf, il y a une partie, une taxe, une éco-participation qui sert à financer la gestion de ces déchets-là. Aujourd'hui, on a pas mal de difficultés à travailler avec eux puisqu'ils sont plutôt très orientés recyclage. En fait, leur réemploi jusqu'à présent, ça rentrait pas forcément dans leurs objectifs, ce qui ne sera plus le cas à partir de l'année prochaine. Puisque leur agrément, il arrive au terme fin 2021. Donc, ils sont en train de répondre à un nouvel appel d'offres pour les 6 prochaines années. Et là-dedans, en fait, il y a inscrit dans la loi économie circulaire qu'ils vont avoir des objectifs de taux de réemploi dans la gestion des déchets, qui n'en sont pas vraiment finalement. Donc, ça va peut-être un peu simplifier les relations avec eux. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Sauf que jusqu'à présent, c'est assez compliqué puisque leurs vrais clients à eux, ce sont les distributeurs qui finalement collectent l'éco-participation et leur donnent à eux pour ensuite gérer leurs déchets. Donc, il y a un petit conflit d'intérêts entre des sociétés comme nous qui veulent faire du réemploi et leurs clients qui sont les distributeurs. Ensuite, pour l'ADEME, on a eu l'occasion de les rencontrer quelques fois sur des dossiers parce qu'ils travaillent pas mal sur des sujets d'économie circulaire. Là, on travaille sur ils ont lancé un appel à projet sur des emplois à impact, justement pour accompagner les sociétés qui veulent créer de l'emploi local qui a un impact social et enfin qui ont un impact social et écologique. Et donc ça fonctionne assez bien avec nous. Donc on en est un peu au tout début. Ce qui est assez compliqué, c'est que en fait, avec l'ADEME, on ne travaille pas forcément sur les mêmes horizons temporels. Donc, c'est une institution publique qui veut résoudre des problèmes dans le très long terme, là où nous, on est plutôt dans la proposition de solution et dans le court terme, en tout cas, jusqu'à présent. Et maintenant qu'on est un peu plus gros, plus installé, on peut commencer à lever la tête et à travailler ensemble sur des problématiques communes. Nickel, merci. Alors, dans la même thématique par rapport aux relations et aux partenariats, on a Paul qui demande aussi s'il y aurait éventuellement des pistes de partenariat possibles avec des entreprises comme Boulanger, Darty, Electrodépôt à l'avenir. Ah oui, c'est sûr. Je pense que ça fait partie des acteurs de l'écosystème. Donc forcément, il y a des partenariats possibles. Après, aujourd'hui, nous, on aime bien notre position d'indépendant d'acteurs indépendants, puisque justement, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce qu'on fait par rapport à la vente de produits neufs. Donc, pour le moment, on est à l'aise dans cette situation-là. Maintenant, il faudra forcément, à un moment donné, on se rapprochera sans doute. Et puis, je rajoute à cette liste de distributeurs l'ensemble des fabricants qui ont un rôle essentiel à jouer là-dedans, puisque c'est eux qui mettent à disposition les pièces, qui designent les produits pour les rendre plus ou moins réparable. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on travaille avec les distributeurs et les fabricants qui sont les acteurs dominants. Super,
Merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de questions. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, on va clôturer le live meeting. Voilà, je vais vous donner 30 petites secondes pour pouvoir réfléchir si vous avez d'autres questions à poser à Guy ou à moi-même par rapport à cette levée de fonds. Pendant ce temps-là, moi-même, je vais te poser une question, Guy. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'échanges avec beaucoup d'investisseurs. Et finalement, la plupart d'entre eux disaient que c'était un service tellement logique et pertinent, Murphy, de pouvoir réparer en toute transparence et rapidement son électroménager à domicile, qu'ils s'étaient étonnés que ce n'ait pas été inventé plus tôt. À ton avis, pourquoi une entreprise comme Murphy n'a pas été inventée plus tôt? C'est vrai que réparer son électroménager chez soi, ça semble tellement évident. Est-ce que c'est les consciences qui ont évolué? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça paraît évident parce qu'on a beaucoup travaillé pour que ça ait l'air évident. mais c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que si aujourd'hui la plupart des consommateurs considèrent que c'est plus intéressant d'aller extraire de la matière en Afrique, de la transporter en Asie où elle va être transformée pour faire des pièces détachées, assemblée en Turquie où il y a un porte-conteneur qui fait venir prendre les produits, les livrer dans un entrepôt continental puis un entrepôt régional, il y a deux livreurs qui viennent chercher de la linge qui le livrent chez vous pour prendre l'océan et le donner à un écosystème qui va l'emmener au recyclage. Si en fait tout ça, c'est plus intéressant que de faire appel à un réparateur qui habite à 10 minutes de chez nous et qui, dans un cas sur deux, arrive à réparer sans changer de pièce, c'est parce qu'ils ont investi énormément d'argent dans des process d'extraction de matière, de distribution, de transformation, enfin n'importe quoi. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que, en tout cas, la marche à franchir pour arriver à proposer une solution qui soit aussi efficace sur de la réparation locale, elle est assez importante, elle nécessite des investissements significatifs. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître hallucinant de lever 8 millions d'euros pour faire de la réparation, c'est énormément d'argent. Et donc, finalement, à la fin, le réparateur, il vient et on paye son temps, quoi. Mais c'est ce qu'il faut pour mettre... en fait, en face de ça, une solution à la hauteur de l'enjeu. Et je pense que pendant longtemps, on a essayé de faire de la réparation un petit truc dans son coin, de la bidouille, etc. Là, il y a une vraie prise de conscience, notamment des jeunes qui ont fait des bonnes études ou qui ont de l'expérience, enfin n'importe quoi, mais qui ont envie de s'engager là-dedans, ce qui nous permet aujourd'hui de recruter hyper facilement, d'avoir... des gens qui sont très très engagés dans l'entreprise et je pense que là c'est le moment quoi en fait. Il y a une espèce de retournement de situation qui fait que il y a des gens qui ont suffisamment d'énergie à donner pour bousculer un peu cette montagne, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4-5 ans je pense, parce que c'était un truc énorme quoi. D'accord. Donc en fait, il y a une évolution des mentalités, il y a le marché qui est plus mature et plus sensible à ces thématiques, quoi. Ouais, et surtout le marché, donc côté client, mais surtout côté salarié, c'est-à-dire que pour recruter des bons ingénieurs pour travailler sur le process opérationnel, chez Murphy, on a des gens qui, enfin, je pense que ça a changé il y a quelques années. Quelques années, quand on sortait de grande école d'ingé ou de commerce, la classe c'était d'aller faire d'être trader. Ce qui aujourd'hui, la classe c'est de faire de l'économie circulaire et de faire de la réparation. Et donc ça, c'est quand même, je pense, ce qui nous porte le plus en tout cas en ce moment, c'est plutôt ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a des gros mouvements en tout cas sur LinkedIn. Il me semble qu'il y a une page qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui a été montée par des étudiants d'école d'ingénieurs, d'école de commerce, et qui justement mettent en avant en fait un changement de mentalité dans la recherche de carrière, et puis qui veulent en fait donner du sens à leur action, à leur travail, et travailler dans des entreprises qui sont du coup engagées comme Murphy vers un monde plus durable demain quoi. Tout à fait. Bon, alors, du coup, on a fait le tour des questions. Voilà, si jamais, en tout cas, vous pensez avoir oublié une question, mais que vous y pensez demain, sachez que moi, je suis très disponible. Vous pouvez tout à fait me contacter via le site Lita ou bien prendre rendez-vous. Ce live meeting, il va être rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivé en plein milieu ou si vous avez dû quitter avant, vous pourrez revisionner ce live meeting. Alors, pour rappel, la campagne clôture au 31
décembre 2020, donc dans une dizaine de jours, et on est déjà à quasiment 650 000 euros collectés. Donc voilà, c'est une obligation à 5% sur 3 ans. Il vous reste une dizaine de jours pour investir. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot, Guy, à partager à toutes les personnes qui sont connectées. Non, bah, merci à tous en tout cas pour votre attention et votre temps. Enfin, nous, ça nous touche toujours à chaque fois que de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait. Et en tout cas, je pense qu'on serait ravis de vous avoir à nos côtés si vous choisissez d'investir. Mais si vous ne choisissez pas, on sera ravis que vous vous intéressiez à nous aussi. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Guy. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.